Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi à étape 1 qui est d'infliger des dégâts à un adversaire en étant sur une tyrolienne. Et je vais vous aider aussi à réaliser le défi à étape 2 qui est tout simplement d'infliger des dégâts au joueur qui est justement sur une tyrolienne, donc c'est justement l'inverse. Alors si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te souhaite un bon visionnage. Alors première astuce que je peux vous donner, c'est de demander de l'aide à un ami. Donc tout simplement si vous êtes 4, vous sélectionnez le défi en appuyant sur X et une deuxième fois sur X pour demander de l'aide à vos amis. Donc si vous êtes 4, les 3 qui réaliseront le défi le réaliseront aussi pour vous. Donc ça c'est déjà une très bonne astuce. Deuxième astuce, et franchement ça c'est la meilleure si vous y arrivez, c'est tout simplement de demander à un autre ami de lancer le serveur en Océanie, donc là où vous avez le plus d'MS tout simplement, vous lancez tous les deux la partie en Océanie, vous essayez de regarder si vous êtes dans la même partie, et après vous vous rejoignez près d'une tyrolienne pour tout simplement réaliser le défi avec votre ami. Troisième astuce, c'est de le faire en domination du SCO. Le problème, c'est que la zone est souvent au milieu de la map et il n'y a pas de tyrolienne au plein milieu de la map. Donc, vous le faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai réussi quand même à le faire en domination du SCO. Sinon, vous le faites en solo, duo, section. Ça, c'est à vous de voir. Et pour encore plus vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tyroliennes de la map de Fortnite saison 8. Alors moi je l'ai fait en domination disco, cependant j'ai dû relancer 2-3 fois la game pour que la zone de domination disco soit plus ou moins vers une tyrolienne, donc là c'était près de Pleasant Park. Alors à ce moment là j'ai été près de la tyrolienne, je me suis amusé et vous pouvez voir que j'ai réussi carrément à tuer un adversaire avec un petit silencieux qui était dans la maison plus bas. Et franchement il a joué le jeu avec moi parce que moi je m'amusais avec ma tyrolienne pour essayer de le tuer et lui il restait en bas dans sa maison et il essayait de me tuer aussi. Et je sais pas par quel miracle j'ai réussi à le tuer moi-même, donc franchement c'était assez what the fuck, je suis assez content de ce kill. Et bien sûr, je lui dis un gros merci, bon, même s'il verra jamais cette vidéo, je lui dis quand même un gros merci à ce joueur-là. Franchement, c'était insane. Alors, pour la deuxième étape de ce défi, c'est pareil, vous restez près des alentours des tyroliennes. Et là, par chance, j'ai eu deux personnes qui ont voulu me rush, et ils m'ont rush par la tyrolienne, tout simplement. Et comme on était en hors zone, il a pas réussi à me tuer, il a voulu reprendre la tyrolienne, moi, je l'ai repris juste après. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai tué. Alors, il y avait son pote de l'autre côté de la tyrolienne, lui aussi, il a voulu prendre la tyrolienne, et je l'ai défoncé aussi. Donc, franchement, c'est assez what the fuck. Et c'était assez marrant. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.